Alors, on va peut-être y augmenter notre aptitude. Comme ça, au moins, ce sera fait. Ah oui, mais alors la déviation, c'est pareil. Ah non, bah voilà. Maintenez R2 pour charger votre attaque puissante. Entièrement chargé, brise le bouclier de tour et renverse ses adversaires au sol. En appuyant donc longuement sur R2. Donc. Wouah ! Ça a l'air grave, ça a l'air total gratuit. Alors. On va peut-être. Alors par contre, cette fois-ci, je vais changer d'arme parce que l'autre a l'air de faire des saignements. Celle-là. Et dans tous les cas, ça me permettra d'avoir mon bouclier. Alors j'ai toujours cette sensation bizarre de me dire qu'il faut cibler maintenant les ennemis. Est-ce que... non, c'est pas ça que je peux faire. Est-ce que mon bouclier peut se briser d'ailleurs? Un vortex, tu ne peux plus bouger. Wow. C'est horrible. C'est horrible. Surtout essayer de se faire l'arc. Par contre, l'archer, il débraille super vite. Hein. C'est fou. Hein. Bon, par contre, il est clair que j'ai pas le niveau. Donc, on va retenter encore une fois. Parce que vu le nombre de coups... En fait, cette arme, elle est bien parce qu'elle permet, si je dis pas de bêtises, de recharger beaucoup plus vite l'adrénaline. En plus de ça. Ouais, régénération d'adrénaline et hémorragie atteinte. Alors, est-ce que... Oh, cette musique. Cette musique! Alors, précision, vitesse de charge. Ouais. Je vais essayer l'arc multiple sur lui, justement. D'accord, le mec il s'en fout. Ah, il dort. Ça lui a rien fait du tout. Donc c'est deux à chaque fois qu'il tire. Il est lâche, hein. Ah.
sur quel niveau? Bon, on n'a pas le niveau, on va abandonner, c'est pas grave. Mais ça reste intéressant en fait de voir. De voir que si vous n'avez pas le level, bah, vous êtes. Vous êtes comme qui dirait Bazaï. Après. Après, je suis relativement téméraire. Hein. J'aurais pu me concentrer sur un autre ennemi. Et ça aurait été moi, j'aurais peut-être jamais lâché. Jamais lâché le combat jusqu'à ce que j'y arrive, me connaissant. Mais bon, ça aurait pris 10 ans sur la vidéo. À moins que je maîtrise du tonnerre de Dieu et là. Ah ouais, il s'est bouffé le muret. Alors. Est-ce qu'on peut prendre la torche en même temps? Oh, stylé! Bourgeois Saint-Denis! Que trépasse si je faiblis! Prends feu! Oh. Tuer l'animal? Quel animal? Quel animal? Quel animal? La phoque? Ah, c'est des hyènes encore! Genre, j'en ai eu aucun! Genre, j'en ai eu aucun! Genre! La blague! Et ils craignent pas le feu! Enfin, genre, ils sont pas apeurés, quoi! C'est du feu, les animaux! Au, 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 au. Qu'est-ce qu'elle est lente? Enfin, qu'est-ce qu'il est lent quand il frappe? Qu'est-ce que je voulais voir, moi, déjà? Fabrication possible. Tuer l'animal. On l'a déjà fait. Alors, j'ai vu fabrication disponible. Tout ça. Ah, c'est ça qu'on peut améliorer, d'accord. Gants de maintien. Prac. Bah, finalement, même si elle a de l'hémorragie, franchement, cette lame, je me sens plutôt lent, hein, avec... Ah oui, arc de combat. Je me sens plutôt lent. Alors je sais pas si ça peut se gérer après. Oh, un truc. Ah, on peut la charger tout de même. D'accord. Alors ça c'est fait. Donc on va aller ici maintenant. Simplement. Ah! Ah, on peut récupérer même en étant sur notre camel. Ça, c'est bien. Ah, mais c'est même super. Ah, I'm sorry. Il faut des flèches. Non, par contre, là, faut descendre. Au minimum, faut pas déconner. Non, je veux pas. Ah, c'est là. Voyez, même dans le désert, on arrive à faire des traces de pas, hein. Par contre, dans le 3, les traces de pas, on n'en parle pas. Dans la neige, hein? Aucune trace. Ça m'avait retourné, ça, d'ailleurs. C'est quoi? C'est un rhinocéros? Facochéo. Des loups. Tuer l'animal. Il
Alors, il y avait tout et l'animal. Lors du décès. C'est bon, je suis arrivé. Ah, c'est lui. Bon. Mais non, non, non. Ah, putain, ce bourré de boutons, c'est horrible. Attendez, pause. C'est complètement con ça. On va prendre. Ah, impossible de changer d'équipement si attaque dégâts. Hop, c'est bon. Ah, normalement, je dois pouvoir. Ah, ah. Voilà. Viens là, viens là, viens là. Viens là, toi. Tu fais le gain et après tu fais le lâche. Non, 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 non. Dans le royaume, ça serait jamais arrivé ça. D'accord, donc le but c'était de boiter l'animal. Voilà. Oh, il a... Oh. Ah oui, carrément, quoi. Ah, oh, c'est violent. C'est quoi ce bruit? C'est moi ou c'est un... C'est... Ah, épée normale, parfait. Alors, épée normale. Épée de bronze. Elle fait quoi? Taux de coup critique élevé. Ah d'accord. Allez, viens. Léger ce coup de charge. Non, on peut pas. Hop là. Ben, je sais pas si ça a réellement existé, mais je pense que oui, hein, quand même. Quand on pense que l'humain se battait contre une salve de hyènes, quoi. Oh là là. De hyènes ou d'autres, hein, d'ailleurs. Sauf pour la chasse. Quand on voit déjà la préhistoire, les mecs se battent contre des mammouths. C'était pas rien. Avec de simples pierres et des cailloux. Enfin, j'allais dire les pierres et les cailloux. Non. Je voulais dire avec de simples. De simples lances et morceaux de silex sculptés pour en faire des embouts de flèches. Tout ça, quasiment, pour pas dire intégralement à poil, ça force le respect. Hein. Alors là on l'a fait. Alors j'aimerais bien visiter un peu par là là. Si on va aller jeter un œil ici. Camel. Ouais. Je sais pas pourquoi quand je vois Camel, j'ai l'impression de voir Metal Slug. Un oasis. Ah, les chargements de décor, qu'est-ce que j'aime pas. Bon, c'est pour éviter le ralentissement, le clipping. Mais bon, tout de même. Wow. Qu'est-ce que j'entends par là? D'accord. Qu'est-ce que c'est ça?
vite. Allons voir, vite. Cargaison d'or, si ce sont des... Si ce sont des contrebandiers en plus de ça. Aucun scrupule. Yo les gars, dites-moi, j'aurais une question. Je voulais me prendre un kebab, mais il me manquait 5 ou 10 centimes. Vous n'aurez pas quelque chose... Wow. Wow. Alors déjà... Voilà. Ok, d'accord, c'est du level 1 en fait. Allez, au revoir. 100. Ah, pas mal. Et toi? 3. Ouais, t'étais vraiment le troufion de base. Alors, qu'est-ce qui se passe si, si je change de camel à Pégase? Salut, Pégase. Allez, ya. Je peux le faire aller plus vite? Bon, c'est pas très grave. Tu m'en veux pas à camel, hein, mais... C'est qui ça? Un Maasai! Oh, quelle défense! Joli! Allez, viens donc! Hop, petit. Oh là! Mais vous êtes combien, mes amis? Ah, tu veux jouer? Nous allons jouer. Et est-ce que je peux charger? Ah, en gardant ma. Ah, mais il n'y a pas d'arrêt. Oh, c'est qui ça? Tu veux jouer le daron, toi? Toi, c'est fait. Aou! Les mecs qui siègent comme ça. Ah ouais, d'accord, c'était un camp de base. Enfin, une petite... D'accord. Ceci explique cela. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier par ici à... Ah, oui. Qu'est-ce qu'on a là? Bouclier. Mais alors, par contre, je comprends pas le... Les objets encore que j'ai déverrouillés avec la limited edition, le bouclier, l'arc et l'épée, se trouvent où? Parce que c'est un peu ça que j'aimerais... Ah oui, d'accord, niveau 4. Résistance à distance. Bien. On va le garder, celui-là. Celui-là, je peux le virer. Ça sert plus à rien. Ah, c'est vrai que... Je ferais... Ouais. Ouais, j'aimerais... Là, j'ai un point d'aptitude. Ouais, bref, on s'en fout pour l'instant. Mais j'aimerais bien, ça, c'est vrai que j'aimerais bien savoir... où se trouve... Où se trouvent mes nouveaux équipements, en fait. Ah, est-ce que c'est rangé quelque part? Est-ce que faut que je le prenne à la boutique? C'est-à-dire chez un forgeron? Ou est-ce que ça sera plus tard? Je sais pas, en fait. C'est un peu confus. Alors, journal de quête. Qu'est-ce qu'on a? Quête. La quête! Promesse de Bayek. Camon t'accompagne. Bayek est prêt à poursuivre sa traque du serpent. La découverte inattendue d'un antique et énigmatique cercle de pierre fait remonter les souvenirs chez Bayek. Il décide de tenir une promesse oubliée faite à son fils. Mais je l'avais déjà fait, ça! Ah non. Je n'ai rien dit. Mais pareil... C'est dans Toussiwa? Est-ce que bon, ou ce serait par là? Le cercle de Piao.
Et ça serait éparpillé dans les environs. On ne sait pas. On ne sait pas. On va aller par là. Puis après on va faire comme ça. Histoire d'observer un peu les horizons. Ah c'est nous qu'on voit. Waouh, c'est tellement classe. Franchement, je pense, très honnêtement, je me disais que ça allait être obsolète, la situation avec c'est nous. En plus de ça, je fais suivre la route. Hop, c'est nous. Tac, juste pour le plaisir. Pour le plaisir. C'est trop classe. Comme ça, on peut... Suivi de route indisponible. Non, mais t'es sérieux? On te demande juste d'aller là. Hein. Ah, à moins que la promesse de Bayek, ça soit plus loin sur la map. Non. Par contre, comment il fait pour vouloir aller à Alexandrie? Parce que, en fait, dans une des missions d'avant, si vous vous souvenez, il a dit qu'il voulait aller à Alexandrie, mais il faut que je traverse les grosses maps avant. Ou alors, il va y avoir une grosse ellipse. Mais on se retrouvera là-bas... avec la magie de tous les temps. Alors. Ah non, c'est mon équipement qui fait tout ce bruit en fait. Donc là on a rien. Bon, ben, on va aller faire un tour. Qu'est-ce qu'on a là? Les routes qui se croisent. On sait d'ailleurs combien la map fait en kilomètres carrés ou... Parce que je ne sais pas personnellement. Je me suis pas trop renseigné sur la taille de la map. Après c'est vrai que c'est toujours compliqué en termes d'open world. Il y a beaucoup de critiques envers les open world sur ouais, un open world, si c'est pour avoir trois quarts de la map vide. Après, ça dépend du contexte, ça dépend du. Comment dire, de l'orientation du jeu. Si vous avez, bien entendu, un jeu comme Assassin's Creed, par exemple, les open world, vous aurez forcément aussi du contemplatif. Vous aurez du désert, pas forcément, voilà. Après, il faut se dire que quand on fait un open world, il n'y a pas spécialement besoin, je dis bien pas spécialement, besoin de... comment on appelle ça? Besoin d'avoir des interactivités tous les 10 mètres, quoi. C'est des ennemis, ça. Oui. Il y aurait quoi d'intéressant à récupérer? Je suis pas caché. Ah voilà. Qu'est-ce qu'ils ont? Ouais, c'est... La pure gratuité, le Bayek. Oh! Alors déjà, j'ai quelque chose d'intéressant. C'est un arc.
de niveau 8 qui précisionne taux de coup critique. Pourquoi se contenter d'une flèche quand on peut en tirer 5? Certes, mais si j'ai pas le talent pour me permettre de l'utiliser... Alors attendez, j'avais une masse. Alors est-ce que c'est pour me permettre de forger Je ne sais pas. Il s'est relevé? Ah non, il se tord de douleur. À offrir, d'accord. Carmel. D'accord, donc ça fait pas comme les anciens assassins où quand on changeait de cheval, une fois qu'on en possédait un, quand on sifflait, c'est un autre qui arrivait. D'accord. Donc là, je pense le fait qu'on ait déjà notre camel attitré, on aura toujours, quoi qu'il arrive, camel à la rescousse. Camel à la rescousse. No problem. Si vous vous souvenez de Rayman, premier du nom, on peut le faire cabrer. Voilà, aussitôt dit, aussitôt fait. Magnifique. Magnifique. Bon. Salut les gars. Voilà, ils ont tué quelqu'un. Ou il dort? Non, il dort. Oh, il y a des hyènes. Ah non, il est mort.